Tu vois, le public sait pas ce qu'on va jouer et nous, on sait pas ce qu'on va jouer non plus. En fait, il connaît pas le programme, nous non plus. L'improvisation à deux, c'est diviser son cerveau en deux parties, un pour créer soi-même de la musique et l'autre pour écouter ce que fait l'autre. On anticipe la volonté de l'autre. Ça serait une métaphore d'un dialogue idéal. On est obligé d'être à l'écoute de l'autre pour s'exprimer soi-même et à deux, on construit quelque chose qu'on n'aurait jamais pu construire tout seul. Très célèbre d'improvisateur dans l'histoire de la musique, Mozart contre Clementi, Bach contre Louis Marchand, Liszt contre Thalberg, voilà, c'est une très vieille tradition. Et il y a des moments où on se donne des contraintes l'un l'autre, et puis il y a quand même cette idée qu'on va essayer de montrer tout ce qu'on sait faire. Il y a un élément de virtuosité, mais en même temps, il faut bien que ça fasse de la belle musique. Donc oui, on pourrait dire entre duel et duo, ça pourrait être le titre du spectacle. En Orient, on mélange la joie et la tristesse. C'est-à-dire qu'on joue la tierce majeure, mais en passant par le ré bémol. Au lieu de faire do, ré, mi, on fait... Waouh, vous avez vu? C'est-à-dire, là, ça va pas du tout. Ouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Là, ça va bien, mais je suis sûr qu'il va m'arriver une tuile. Et là, je suis bien et pas bien en même temps. Et c'est pour ça qu'on embrouille les serpents, parce que le serpent, il dit, mais... Mais t'es bien ou t'es pas bien? Mais t'es bien ou t'es pas bien? Mais t'es bien ou t'es pas bien? Donc on va jouer. Donc si je comprends bien, la joie en Orient, ça donnerait ça? Quand je suis devant un clavier, j'ai l'impression que tout est normal et que tout va bien. Alors que dans la vie, je trouve que rien ne se passe jamais comme je voudrais que ça se passe. Sur un piano, ça va.